Alors, le plaidoyer, c'est quoi? C'est le travail qu'on peut mener, qu'en général des groupes mènent, pour faire entendre la voix de groupes qui, eux, sont invisibles dans la société, donc souvent les minorités. En d'autres termes, c'est quelque chose de très politique. Donc, on fait du plaidoyer vers les élus, vers des décideurs, etc., des niveaux qui peuvent être locaux, territoriaux, nationaux, internationaux, etc. Dans le plaidoyer, dans l'advocacy, il y a notamment ce qu'on appelle le lobbying, que tout le monde connaît et juge en général assez mal, puisqu'on parle plutôt de lobbying pour vendre des cigarettes. Mais il y a du bon lobbying pour, par exemple, défendre, donc, comme je disais, des groupes dont on entend très peu la voix, des groupes qui, plus même qu'invisibles, sont inaudibles. Or, aujourd'hui, il y a des enjeux, qui ne sont pas seulement des enjeux de défense de la bibliothèque, mais qui sont des enjeux sur un territoire. Quand, par exemple, les élus travaillent sur la lutte contre la pauvreté, nous, on sait en bibliothèque tout le travail qu'on fait pour accompagner les gens qui sont dans des situations de grande misère. Mais les élus ne le savent pas forcément. Les partenaires locaux ne le savent pas forcément. Donc, on a besoin de faire entendre notre voix, pas pour dire hey, donnez-nous de l'argent, etc., mais pour dire si on travaille sur le plan territorial, là, vous avez besoin de nous comme acteurs, parce que nous sommes déjà des acteurs importants dans ce travail-là. Donc, on a besoin de faire du plaidoyer. Alors, j'insiste quand je dis c'est pas pour parler pour défendre les bibliothèques, parce que je souhaite vraiment qu'on se prenne pas pour des victimes. On n'est pas du tout dans le même cas que les groupes minoritaires qui ont besoin de faire entendre leur voix. Là, c'est un plaidoyer un petit peu particulier, mais qui doit être bien pensé comme en deux temps. C'est-à-dire qu'on défend la bibliothèque pour qu'on puisse mener à bien nos missions, parce que nos missions, elles sont essentielles pour la société aujourd'hui et la société demain. Voilà. Donc je travaille à l'ENSIB et à ce titre, je fais partie d'un groupe de travail national avec le CFIBD, la BPI, l'ABF et l'ENSIB. Nous avons un groupe de travail sur l'agenda 2030 et les bibliothèques françaises. Alors l'agenda 2030, c'est un outil créé par l'ONU pour accompagner les différents États membres à se projeter, je dirais, dans un avenir un peu plus radieux, qu'ils appellent, eux, le développement durable. Donc notre groupe de travail vise à sensibiliser les bibliothécaires à cet agenda. Pourquoi? Parce que d'abord, nous pouvons nous en faire le relais. Voilà, pour que les usagers, par exemple, aient des bonnes pratiques, trouvent des bonnes pratiques, soient sensibilisés d'une manière générale à ces enjeux pour la survie de la Terre, tout simplement. Le deuxième chose, c'est que nous travaillons aussi à sensibiliser les bibliothécaires pour qu'ils puissent montrer combien leur bibliothèque est durable. Une sorte de bibliothèque éthique, si vous voulez. Voilà. Et la troisième chose, c'est que en faisant ça, ça nous donne aussi des éléments pour pouvoir aller parler avec les élus et décideurs, puisque du coup, on a un langage commun qui est celui de l'agenda 2030. On a mis en place un projet qui s'appelait Et vous faites quoi le 25 septembre pour l'anniversaire de l'agenda 2030, justement, donc c'est le 25 septembre 2019. On s'est lancé dans cette aventure justement pour montrer que les bibliothèques étaient actives, qu'elles faisaient des choses pour l'agenda 2030. Et notamment, il y avait un volet évaluation, puisque ça s'appelait Votre bibliothèque est durable, où les bibliothécaires pouvaient dire ce qu'ils faisaient pour chacun des objectifs. On a réuni plus de 1600 bibliothèques autour de ce projet, municipales, départementales, universitaires, scolaires. Ça a eu un tel effet auprès du ministère que ça y est, les bibliothèques sont inscrites dans la feuille de route nationale de ce que va faire la France pour l'agenda 2030 sur les 10 ans qu'il reste. C'est une grande première, c'est une vraie réussite en termes de plaidoyer, puisque maintenant il y a une phrase qui dit les bibliothèques sont un réseau mobilisable, etc. Jusqu'à présent, on n'apparaissait pas dans ce type de document, ni interministériel, ni présenté à l'ONU, etc. Maintenant, on est dedans. Mais en vérité, ce qu'on a donné aux bibliothécaires, ce sont des outils à faire chez soi. Donc chaque bibliothèque peut tout à fait prendre l'objectif 1 et se dire qu'est-ce que j'ai fait cette année pour cet objectif 1? Qu'est-ce qu'on a fait pour la lutte contre la pauvreté? Et c'est en se posant cette question-là que d'abord on se rend compte qu'on fait des choses pour la lutte contre la pauvreté, qu'on se rend compte de ce qu'on ne fait pas. On dit, ah tiens, c'est marrant, mais je fais rien pour la protection de la vie aquatique, c'est quand même dommage, à côté de moi il y a une rivière, à côté de moi il y a un fleuve, à côté de moi il y a des lacs, à côté de moi, voilà. Comment ça se fait? Et qu'on peut ensuite travailler sur son projet d'établissement en se disant, tiens, pour l'année prochaine, ce serait peut-être pas bien si on faisait quelque chose sur la vie aquatique, tiens, peut-être qu'on devrait travailler un peu plus sur la lutte contre la pauvreté, parce qu'on se rend compte finalement des choses dans lesquelles on est déjà, je dirais, fort en fait, ou des choses dans lesquelles on est un peu plus faible. Donc l'évaluation au niveau de chaque établissement, elle est tout à fait faisable, mais là où c'est intéressant, c'est que ça nous fait très vite basculer de l'évaluation vers l'intention.
Et moi, c'est là-dessus que je travaille principalement, c'est-à-dire faire glisser finalement d'une perspective où on évalue notre valeur à une perspective où on agit sur notre valeur et où on s'engage pour résoudre des problèmes auxquels on fait face, mais parce qu'on est citoyen, une bibliothèque, c'est un lieu de citoyenneté, et envers lesquels on veut s'engager.